Togo Info, le Togo à votre portée. Ce sujet de ce matin, ça fait suite justement, s'inscrit en fait dans l'initiative que le Cinfot lance officiellement aujourd'hui par ce geste. C'est une initiative solidarité pour les personnels soignants du Togo. Elle va consister à recueillir tous les dons en nature comme en espèces sur un compte bancaire qui sera bientôt communiqué et des numéros Togocel et Mouv pour Timoni et Flouze de la part de tout donateur en vue d'aider à compléter les équipements de protection du personnel soignant qui actuellement en manque cruellement. Il est besoin qu'on protège ce personnel soignant pour pouvoir aussi aider à lutter contre ce fléau qu'est le Covid-19. Et aujourd'hui, le premier donateur qui a accepté de nous accompagner dans cette initiative, dès qu'on a évoqué ce sujet, c'est le joueur togolais, Fodo Laba, qui a pris sur lui de trouver dans les contextes assez difficiles rapidement des masques et des gants. Donc nous sommes venus donner aujourd'hui au bureau local du Cinfot, en présence de la direction du CHU Sylvanis Olympio. Et donc ces masques et gants seront donc disponibles auprès du bureau local du Cinfot CHU Sylvanis Olympio. Et donc tout agent qui n'aura pas de masque ni de gants pourra s'adresser au bureau local pour pouvoir en avoir et faire valablement son travail. Et donc je lance un appel à tous les Togolais de la diaspora comme locaux à pouvoir nous assister dans cette initiative solidarité pour le personnel soignant. Je peux vous dire déjà que j'ai des promesses de dons à hauteur de 5 millions de francs CFA qui seront virés sur le compte du Cinfot par différents donateurs. Et dès que nous aurons ces fonds-là, nous allons acquérir des équipements pour pouvoir protéger le personnel soignant. Je tiens à dire que c'est une action qui va se dérouler de Lomé à Saint-Cassé. Tous les hôpitaux, les CMS, les centres de soins seront dotés de ces éléments-là. Nous comptons aussi acheter des dispositifs artisanaux de lavage des mains que nous allons mettre devant les structures hospitalières à différents points de celui des urgences et des admissions. Et après, dans cette dynamique-là, continuer aussi à les mettre au niveau des marchés parce qu'il est important que nous puissions vulgariser le lavage des mains à tous les niveaux où on a des regroupements de personnes. Donc l'action du Cinfot vraiment s'inscrit dans une dynamique de protection la population togolaise pour éviter de tomber sous le coup de ce fléau qui fait beaucoup de ravages. Merci.